Bonjour à toutes et à tous, ici Alexander, bienvenue sur Duplicate Club, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes vendredi c'est jour de partie détonante. Alors la partie détonante, qu'est-ce que c'est? C'est une partie qui se joue en maximum 19 coups et qui affiche un top cumulé d'au moins 1100 points. Donc ce sont des parties, pas vraiment dire que je prépare chaque tirage, hein, chaque coup, mais je sélectionne les tirages de façon à ce qu'on remplit ces deux critères. Donc ça donne des parties assez rapides avec beaucoup de Scrabble, avec des scores assez élevés. Donc c'est marrant à jouer pour les amateurs et amatrices du genre que vous êtes. À l'issue de la partie, le traditionnel décodage. Donc on va passer en revue tous les coups de la partie pour voir les isotopes et les sous-tops. Les principaux sous-tops, bien sûr. Le deuxième temps du décodage, les définitions. Là, c'est une partie à vocabulaire complet, donc on peut avoir des mots un peu incongrus qui sortent parmi les tops, et donc ils vous seront définis à ce moment-là. Et puis, troisième temps du décodage, les potentialités des tirages, c'est-à-dire les solutions possibles en 7, 8 et 9 lettres, parfois dans certains cas. Solutions que nous n'aurions pas vues ni pendant la partie, ni pendant le premier temps du décodage. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne partie et à enclencher la machine dont je suis une partie importante, la machine. Non, tout n'est pas automatisé, hein. On n'en est pas encore là, c'est pas prévu en tout cas ici. Donc, je vous souhaite une très bonne partie. Vous n'avez aucune lettre devant vous. Et voici votre premier tirage. Tunisie, T. Roumanie, R. Uruguay, U. Océanie, O. Danemark, D. Maroc M et Algérie A. Vous jouez avec Tunisie, Roumanie, Uruguay, Océanie, Danemark, Maroc et Algérie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 72 points. Faites très attention à la place choisie. Horizontalement, en H4, nous posons moutard. M-O-U-T, le A sur la case centrale, R-D. Moutard, M-O-U-T-A-R-D, en H4, ça vaut 72 points. Aucune lettre reliquat après ce Scrabble. Voici Jordanie J. Égypte E. Uruguay U. Égypte E, c'est le deuxième. Suisse S. Algérie A. Et Tunisie T. Vous jouez avec Jordanie, Égypte deux fois, Uruguay, Suisse, Algérie et Tunisie. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
le coup est terminé. Maximum à 116 points. Faites très attention à la place du mot. Verticalement en 11 E, de façon à mettre un S au bout de moutard, nous descendons ajuster. A, J, U, S qui vient au bout de moutard pour mettre le mot au pluriel. T, E, E. Ajuster. A, J, U, S, T, E, E en 11 E. Ça vaut 116 points. Aucune lettre au reliquat de nouveau après ce deuxième Scrabble. Nous prenons Luxembourg L, Égypte E. Luxembourg L, c'est le deuxième. Égypte E, c'est le deuxième aussi. Norvège N. Suisse S, Égypte E, cela vous en fait 3. Vous jouez avec Luxembourg 2 fois, Égypte 3 fois, Norvège et Suisse. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
le coup est terminé. Un maximum à 81 points. Horizontalement en L9. Attention à la place, nous jouons en L9 de façon à mettre un S au bout de ajuster avec enceler ENS qui vient au bout de ajuster pour faire ajuster EES. ELLE. Enceler ENSELLE en L9. Ça rapporte 81 points. Aucune lettre au reliquat de nouveau après ce Scrabble. Voici Portugal P, Roumanie R, Océanie O, Uruguay U, Égypte E, France F deux fois. Vous jouez avec Portugal, Roumanie, Océanie, Uruguay, Égypte et France deux fois. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé.
maximum à 110 points. Faites attention à la place verticalement en 8A. On appuie sur le A. Pour terminer sur le A de moutard, nous descendons Poufera. P-O-U-F-F-E-R-A. Poufera. P-O-U-2-F-E-R-A en 8A. Ça fait 110 points. Au reliquat, aucune lettre, on vient encore de scrabler. Voici cette nouvelle lettre, Grèce G, Uruguay U, Italie I, Roumanie R, Maroc M, Norvège N, Algérie A. Vous jouez avec Grèce, Uruguay, Italie, Roumanie, Maroc, Norvège et Algérie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 80 points. Attention à la solution choisie.
verticalement en 15F, en appui sur le dernier E de encellé. Nous descendons manguier. M-A-N-G-U-I-E de encellé, le dernier E, et R. Manguier, M-A-N-G-U-I-E-R, en 15F. Ça vaut 80 points. Aucune lettre au reliquat. Voici Kenya, K, Kenya. Algérie, A. Portugal, P. Algérie, A, c'est le deuxième. Yougoslavie, Y. Océanie, O, deux fois. Vous jouez avec Kenya, Algérie deux fois, Portugal, Yougoslavie et Océanie deux fois. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Maximum à 50 points, verticalement en 5E, en appui sur le haut de moutard. Nous descendons Yapok, Y, A, P,
eau de moutarde et ka. Yapok, YAPOK, en 5E, ça vaut 50 points. Un reliquat de trois lettres, Algérie, Océanie deux fois, vous rejetez. Donc vous rejetez le A et les deux O. Et nous repartons avec un nouveau tirage. Italie, I. Égypte, E. Norvège, N. Grèce, G. Égypte, E, c'est le deuxième. Canada, C. Italie, I, c'est également le deuxième. Vous jouez avec Italie deux fois, Égypte deux fois, Norvège, Grèce et Canada. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 35 points. Verticalement en 12A, pour coller à droite des deux premières lettres de ajuster, nous descendons saigne. C. E, I, G, N, E. Le N forme en et le E forme je avec le A et le J de ajuster. Seigne, C, E, I, G, N, E.
en 12 A, ça fait 35 points. Au reliquat, une lettre, Italie. On ajoute Algérie A, Tunisie T, Roumanie R, Danemark D, Suisse S et Uruguay U. Vous jouez avec Italie, Algérie, Tunisie, Roumanie, Danemark, Suisse et Uruguay. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Le top de ce coup s'élève à 81 points. Faites très attention à la place. Nous jouons horizontalement en N9 de façon à mettre un S au bout de manguier. Nous posons traduit. T. R, A, D, U, I, et le S qui vient mettre manguier au pluriel. Traduit, N9, ça fait 81 points.
Aucune lettre au reliquat. Nous prenons Italie, I. Suisse, S. Luxembourg, L. Votre premier joker, lettre blanche. Québec, Q, Québec. Égypte, E, deux fois. Vous jouez avec Italie, Suisse, Luxembourg, joker, Québec et Égypte deux fois. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 96 points. Faites très attention à la solution choisie. Horizontalement, en C3, le joker va remplacer un X de Xénophon. En appui sur le U de Poufera, nous posons lexique. L, E, joker, X de Xénophon, I, Q, U de Poufera, E, S. Lexique en C3, ça vaut 96 points.
Au reliquat, aucune lettre. Après ce Scrabble, voici Égypte E. Océanie O. Algérie A. Norvège N. Hongrie H. Belgique B. Et Roumanie R. Vous jouez avec Égypte, Océanie, Algérie, Norvège, Hongrie, Belgique et Roumanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 39 points. Horizontalement en A10, en appui sur le C de Seigne, nous posons Bâcher. B, A, C de Seigne, H, E, R. Bâcher, A10. Ça fait 39 points. Au reliquat de lettres Norvège et Océanie, nous ajoutons Uruguay U, Danemark D,
Océanie O, c'est le deuxième. Italie I. Et Égypte E. Vous jouez avec Norvège, Océanie deux fois, Uruguay, Danemark, Italie et Égypte. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 36 points. Verticalement, en 13C, en collante à droite de Seigne, nous descendons nœud. N-O-E-U-D. Au passage, nous formons in, go, âne et je. J-E-U, avec les lettres de Seigne et de ajuster. Nœud, N-O-E-U-D, en 13C. Ça vaut 36 points. Un reliquat de deux lettres, Italie et Océanie. On les rejette, donc vous rejetez le I et le O. Et voici Wallonie W. Algérie A. Italie I. Votre deuxième joker, lettre blanche. Luxembourg L, Maroc M,
Algérie A, c'est le deuxième. Vous jouez avec Wallonie, Algérie deux fois, Italie, Joker, Luxembourg et Maroc. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Maximum à 74 points. Le joker va remplacer un Y de Yougoslavie horizontalement en O4, de façon à terminer sous le T de traduit. Nous posons Wilaya WI. L A, le joker Y de Yougoslavie et le deuxième A qui forme TA, TA avec le T de traduit. Wilaya O4, ça fait 74 points. Olika, une lettre, Maroc. On complète avec Roumanie, R. Égypte, E. Venezuela, V. Océanie, O. Suisse, S. Et Algérie, A. Vous jouez avec Maroc, Roumanie, Égypte, Venezuela, Océanie, Suisse et Algérie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Maximum à 74 points. Horizontalement en K3 pour terminer au-dessus du E initial de Ancelé. Nous posons Morave. M-O-R-A-V-E. Et le S qui forme ce SE avec le E de Ancelé. Morave, M-O-R-A-V-E-S, en K3, ça fait 74 points. Aucune lettre reliquat. Voici Océanie O. Zambie Z. Océanie O, c'est le deuxième. Norvège N. Italie I. Canada C. Et Xénophon X. Vous jouez avec Océanie deux fois, Zambie, Norvège, Italie, Canada et Xénophon. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Un top à 52 points horizontalement en D1 pour terminer, pour coller en dessous des premières lettres de lexique. Nous posons noix, N-O-I-X. Le I forme li, L-I, et le X forme ex avec le L et le E de lexique. Noix. N-O-I-X en D1, ça fait 52 points. Trois lettres reliquats, Canada, Océanie et Zambie. Nous complétons avec Tunisie, T, Hongrie, H, Suisse, S et Italie, I. Vous jouez avec Canada, Océanie, Zambie, Tunisie, Hongrie, Suisse et Italie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 60 points, verticalement en 1A,
On appuie sur le N de noix. Nous descendons Chintz. C-H-I-N-T-Z. Chintz, C-H-I-N-T-Z. En 1A, ça vaut 60 points. De lettres reliquat, Océanie et Suisse. On prend Venezuela, V. Égypte, E. Luxembourg, L. Tunisie, T. Italie, I. Vous jouez avec Océanie, Suisse, Venezuela, Égypte, Luxembourg, Tunisie et Italie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Sur ce coup, un maximum à 33 points, horizontalement en L1, pour coller sous les trois premières lettres de Morave, nous posons Voisé. V-O-I-S-E. Le I forme Mi, le S forme Os et le E forme Ré avec le M, le O et le R de Morave. Voisé. En L1, ça fait 33 points.
un reliquat de deux lettres, Luxembourg et Tunisie. Vous avez certainement commencé à prendre les dernières lettres. Ils sont au nombre de 4. Belgique, B. Norvège, N. Tunisie, T, c'est le deuxième. Et Égypte, E. Vous jouez donc avec Luxembourg, Tunisie, deux fois Belgique, Norvège et Égypte. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Le top de ce qui sera le dernier coup de cette partie détonnante s'élève à 24 points verticalement en 10 H en partant du dé de moutarde. Nous posons Deb, D, E, B, formant au passage E, E, T et B, B, E avec deux des lettres de ajuster. Deb. DEB en 10, H, ça fait 24 points. Voilà qui termine cette partie en 17 coups sur un top de 1113 points. Voilà, une jolie partie détonnante par définition. Ça détonne, ça va vite et ça monte haut dans les scores. Et on va décoder tout de suite tout ça. Allez, jingle. Voilà, on y est. Je vous rappelle rapidement, brièvement, le principe du décodage. Ça se passe en trois temps. Premier temps, on passe en revue les coups de la partie. Vous avez la petite fenêtre à droite qui s'affiche avec les principaux, les isotopes et puis les principaux sous-topes.
Ça s'affiche aussi un peu sur la grille et puis je vous les énumère oralement. Deuxième temps, les définitions des mots peu courants rencontrés dans la partie. Donc c'est dans la petite fenêtre verte à gauche de la grille. On les fera défiler tout à l'heure et je leur donnerai lecture également. Et troisième temps, les potentialités des tirages. Par exemple, là, avec ce tirage-là, on a moutard en 7 lettres, donc ça, on l'a vu. Mais sur un E ou un A, on a également moutarde, moutarda. Voilà. Et bien ça, c'est ce qu'on va voir après dans le troisième temps du décodage, c'est-à-dire les potentialités des tirages, les solutions 7, 8 et 9 lettres que nous n'aurions pas vues ni pendant la partie, ni pendant le passage en revue au début du décodage de tous les coups. Et puis en bas, vous avez deux petites lignes qui défilent. Alors la première, ce sont les quelques mots, c'est limité hein, en nombre de caractères, donc j'en mets pas non plus toute une flopée. Quelques mots qui sont apparus dans la partie ou qui découlent de mots apparus dans la partie que j'estime important à retenir. Par exemple, moutard peut transformer en moutardé puisque c'est un verbe. Retenir que encellé, ça n'est pas un verbe mais uniquement un adjectif. Ramingue est également un adjectif. Et c'est à rapprocher de ralinguer qui lui est un verbe. On a eu yapok, on peut l'écrire avec ou sans c, à rapprocher de capoc et de capoquier, mais il n'y a pas de yapokier ni de capoc avec un c, vous voyez, enfin, il y a plein de petites subtilités comme ça, donc je vous laisse regarder ça. Wilaya avec un ou deux l, voisé c'est un adjectif, bon bah du coup j'ai tout vu. Et puis la ligne d'en dessous, c'est soit une astuce, soit une mini liste de mots, ou alors un tirage, parfois, ça dépend. Et là, c'est la présence de. Il y a eu un sous-top avec le verbe coxer à un moment donné. Et du coup, je me suis dit, tiens, si on faisait la liste des petits verbes de 4 et 5 lettres avec le X, ça peut être utile. Alors, la plupart sont relativement connus, mais bon, quand même, coxer, sexer, voilà, c'est à retenir. Faxer, il y a de moins en moins de monde qui connaissent le verbe faxer maintenant, hein, parce que ça n'existe plus les fax. Allez, on y va. Donc, au premier coup, moutard, c'était un Scrabble unique, donc il valait mieux pas le rater. Si on le rate, on perd 52 points, le sous-top étant motard à 20 points, égalé par moudra. On avait également douma, mordu à 18. Et donc, on prépare évidemment le S, le E, le A, puisque moutarder est un verbe. On va vite condamner la place, puisque au coup suivant, on met le S pour quadrupler avec ajuster. Donc, on pouvait également mettre le E, un des deux E ou le A, au bout de moutard, mais ça faisait moins. Ça ne quadruplait pas, donc 88. Vous voyez, hop. Autre mot double à 80 points, ajouter EES, rajuster et réajuster, ça faisait 67. Et puis ensuite, on ne scrablait plus, on jouait au bout de moutard pour doubler. Voilà, donc on a joué ajuster en quadruple. Et donc évidemment, il faut penser au R. Bon, il ne sortira pas, mais il faut y penser. Rajuster et réajuster. Alors, le coup d'après, on a eu encellé, donc c'est un adjectif uniquement, hein, ce n'est pas un verbe. J'espère que vous n'avez pas été tenté par encellé ER ici, ça n'aurait pas fait grand-chose. Comparé à encellé et E ici, qui du coup sont valables. Et puis même pour le top, bon, à condition d'avoir trouvé encellé, hein, bien sûr. Hein. C'était la seule possibilité de scrabler en dehors de entel, E-N-T-E, 2-L-E. Et ici, au pluriel, je vais vous rajouter la définition, je ne l'avais pas prévu. Voilà, on va rester dessus. Et puis non, on va revenir sur moutard. Allez. Ah, c'est ma petite cuisine interne. Hein. Parfois, il y a des petits couacs. Mais ça n'a pas de grande d'impact pour le suivi. Alors, donc voilà, donc encellé, hein, bien sûr, qui passait
à plein, plein, plein d'endroits. Et évidemment, le top, c'était pour mettre un S à ajuster et en doublant. Voilà, 81. Le coup d'après, alors on a pouffé en main. Donc, pouffé passe sec pour faire rajuster ou bien pour faire ré. Ou bien, là, c'est pas en Scrabble, donc ça compte pas, 45. Donc, pour 85 ou 82, pouffé en Scrabble sec. Et 82 en mot compte double ici, en E4. Et puis, bien sûr, en triple, ça fait beaucoup plus. 110 points avec le F qui double, le mot qui triple. Voilà, ça fait un gros, gros score. Et puis, évidemment, on pense après à prolonger IS ici. Voilà, et puis les sous-tops, eh bien, pouf, pouffé à 42. Fuero offre en D8 qui font rajuster, ça fait 40. Le coup d'après, alors là, on a un joli quatuor de mots avec le E. Alors, est-ce qu'ils passent tous Non, il y a géranium qui passe pas. Donc, il y a un manguier, ramingue. Meringa qui passe pas non plus et géranium. Voilà, on verra ça de toute façon dans les potentialités des tirages, ce joli quatuor à retenir. Donc là on a joué manguier, on pouvait jouer ramingue également. J'ai choisi manguier pour faciliter les scrabbles ici si on a un O. Voilà, on a la possibilité de, si on se termine par O plus une lettre, de scrabler ici. Avec ramingue, c'était un peu plus compliqué. Il fallait qu'il y ait la séquence O, lettre, et il fallait qu'il y ait deux O pour faire or et home. Et encore que la lettre entre les deux O, elle colle pour faire à côté du A. Donc voilà, donc on a retenu manguier. Il y avait également Giromont à 74 ou 70, selon la place. Manguier passait aussi ailleurs, ramingue de même. Pour 66 ou 64 points. Et puis sans scrabler, on a un joli granum avec le M qui double, R qui fait rajuster à 36 points. Au coup suivant, le Yapok qui passe juste en doublant, donc 50 points. Koala à 48, c'est le sous-top avec le K qui double et le mot qui double. Yaka 46 ou 44 en 12B, 10B. Yapok passe aussi en 14C pour 43 points. Ça forme homme et K, même si le K n'est pas sur une case de couleur, ça fait des points. Et puis on a un Yuko à 42 également avec les deux lettres chères qui doublent. Alors le coup suivant. Ah, j'ai pas vu de négo, non. On verra tout à l'heure hein, ce qu'il y a comme. Comme possibilité de scrabler avec un tirage comme celui-ci, j'ai rien vu sur le moment, mais bon, ça n'est pas une assurance qu'il n'y a rien. Donc on a joué saigne du verbe cindre, hein, qui signifie entourer. Ça faisait 35, même place, donc beaucoup moins, puisqu'on réduit le mot, on perd deux lettres, du coup on double plus le C, etc. Enfin voilà. Scène, ciné, ou génie, ça fait 23 dans tous les cas. On a cinglé à 22, en 13H, et même colonne, giclé et E à 22 aussi. Alors ici, traduit, scrabble sec, qui passe pour mettre un S à manguier, ou pour faire ES, ou pour faire SE. C'est évidemment le S à manguier qui rapporte le plus. Dans les deux autres cas, on était à 73 ou 68. Et puis traduit avec un T, le participe passé, en appui donc faisait 61. On verra les autres possibilités de Scrabble tout à l'heure. Un S au bout de Yapok permettait surdité avec en s'appuyant sur le E de ajuster, ça faisait 38. Sous top d'assurance, intéressant. Alors ici, bon, on met le Q. Sur à côté du U de Poufera, là, voilà. Et on a pas mal de possibilités. Alors, j'ai retenu lexique parce qu'on peut prolonger l'adjectif en alexique, d'accord ? Ça ne s'est pas présenté, mais voilà, sachez-le. Sinon, on avait d'autres possibilités. Il y avait elfique, éolique, mélique, oléique, relique et vélique. Voilà, c'était tous les scrabs possibles sur ce coup. Il y en avait 7, donc il y avait de quoi faire.
Mais c'était en même temps la seule place pour scrabbler. Donc voilà, si jamais ça vous a échappé, ben, c'est un peu dur. On a en sous-top 54 points avec Kel, le Q qui triple, le mot qui double. Et puis Kin à 52 avec le S qui vient au bout de Yapok et le Q qui triple. Ça fait un beau score. Le tirage d'après, on a joué en triple Baché à 39. Acheb va faire 36. Même place. Boran en triple aussi, mais tout en bas avec le B qui double, 35. Archéo, 33. Baron, bah justement, qui forme Alexic, 33 aussi, tout comme on revient sur le C de Seine pour tripler. Cheb et Nocher. Voilà, le coup suivant, pas de Scrabble, en tout cas qui ne passe. Hein. Je sais pas s'il y a des. On verra tout à l'heure ce qu'il y a comme possibilité. Un joli nœud en collante, à 36 points. Voilà, pas facile. Le dé qui double, le mot qui double, on récupère le J. Voilà pourquoi le score est assez élevé. Sous top, Wa OIE avec Poufera, Poufere AI. Et puis en O4, on a un Dou, on doit à 26. Alors ici, Wilaya, ça c'est un coup pas évident parce que Joker, lettre chère déjà, c'est pas facile. Et puis Wilaya, bon, il faut aller le chercher. Donc 74 points, le W qui double et le mot qui triple. Sous top, Kawai qui fait Alexic à 45, Kawai qui passe ici aussi en bas à 43, Awale Alexic aussi 41, un magnifique Malawien en F2, double appui, c'est pas un scrab mais ça fait 41 grâce au W qui triple, et puis après voilà, il y a plusieurs solutions, 41, 40, dont Wally avec un S en J1. Alors, ici, alors j'espère, attendez, je vais enlever. J'essaye de renlever. Voilà. J'espère que vous n'avez pas mis de S ici, parce que le verbe ester est défectif, il ne s'emploie qu'à l'infinitif. Donc pas de esta. Si vous avez vu Morave, c'était tentant de le jouer ici, parce qu'avec le V qui double et puis esta, ça faisait un beau score, mais malheureusement, c'était zéro. Voilà, donc il fallait le jouer Morave au-dessus pour faire ce SE. C'était un Scrabble unique, donc pas facile. Et puis, sous top à 44 points, Versa ou Verso qui mettait Yapok au pluriel. Aver, Var, Ver, tout ça, ça se passe pareil. En ligne J pour mettre un S au bout de Yapok. Morse, Amer, Omra, Rave, Reva, etc. etc. Ça fait. Voilà, on marque facilement 30, 34, 35, 36 points en jouant au bout de Yapok. On verra les appuis de ce tirage éventuel. Il doit y en avoir quand même deux ou trois. Alors, on a joué Noix ici pour ouvrir sur le triple. Et pour le même score, on avait coxé, du verbe coxé, EZ. Avec le X qui triple, ça colle un petit peu, plus le Z, voilà pourquoi ça fait 52. Sous top 46 avec XC en 4A et XI en B14. Axier en F5, ça fait 43, le X qui triple. Et puis c'est à peu près tout. Ensuite, Chintz, Chintz, on verra la définition tout à l'heure, ça fait 60, ça gagne 25 points sur le sous-top, Zec, Z qui triple en J10. Chino en 1A, ça fait 33, tout comme Zest en J10. Alors ici, pas de place pour un Scrabble unique, un Scrabble sec, pardon, de type violet, là, par exemple.
Donc on n'a pas, on peut pas scrabler là sur ce tirage, enfin sur cette, à ce moment-là de la partie. Et donc le top c'est voisé, adjectif seulement, hein, pas de voisé ER, EZ, hein, en L1 qui colle un peu. Même place, une lettre de moins, on a 29 points avec vie ou voix. OIE ou ose en I7, ça fait 28, tout comme vomi avec le V qui double et le mot qui double en 3I. Et puis le tirage suivant, ce sera le dernier. Et là, on a joué Deb à 24, DEB. On avait également Tel qui faisait Tex en B4 pour 22 et Vent en 1L pour 21. Voilà, on a terminé le passage en revue des coups de la partie. On va aller maintenant voir les définitions. Alors, il n'y a pas forcément tout, et surtout, très important, elles ne sont pas nécessairement dans l'ordre d'apparition de la partie, dans la partie, puisque, vous voyez, de temps en temps, donc je prépare hein, avant de lancer, mais après, pendant la partie, pendant le décodage, etc., parfois, je rajoute des définitions. Donc, ce n'est pas forcément dans l'ordre, mais peu importe. Alors, le moutard, c'est un petit garçon. C'est un terme familier. Malawien, malawienne, du Malawi en Afrique australe. C'est un pays d'Afrique australe. On dit aussi malawite. Voilà. Antel, grand singe d'Asie. Moutardé signifie assaisonné de moutarde, ce qui est fort logique quand même. Encélé, donc adjectif uniquement. Hein, ça désigne un cheval dont le dos est cambré. Et ramingue, qui se rapporte aussi au cheval. C'est un adjectif donc, qui désigne un cheval qui se défend contre l'éperon. Donc, a priori, un cheval peut être à la fois ramingue et encélé. Ralinguer, on ne l'a pas vu pendant la partie, mais c'est le mot ramingue qui m'y a fait penser. Vous vous rappelez que, pour vous apprendre, vous vous rappelez que c'est un verbe, munir de ralingue en marine et battre en parlant d'une voile. Ramingué, il n'y a pas de verbe raminguer par contre. Hein, d'accord? Donc, ramingue. Ralinguer. Meringuer aussi, garnir de meringue, puisqu'on a eu manguier, meringa, là. Yapok, qui s'écrit avec un K, avec un, pardon, qui s'écrit YAPOK ou YAPOCK, étant un marsupial aquatique d'Amérique. Kapok, fibre végétale très légère. Qui nous vient du capoquier, que j'ai pas mis, arbre asiatique dont le fruit fournit pardon, le capoc. Wilaya avec un ou deux L. Ah, ça se prononce Vilaya, ben, vous voyez, je le découvre. Petite découverte, donc on dit Vilaya, ok, division administrative de l'Algérie, dans tous les cas, il y a un ou deux L. Et ben encore une fois une définition que je me suis planté, une prononciation que je me suis planté, on ne dit pas Acheb mais Akeb. Au Sahara, végétation qui pousse après une averse. Akeb. Morave de Moravie en République tchèque. Coxé en Afrique signifie appréhender, arrêter. Chintz, un tissu de coton imprimé. Voisé, adjectif donc qui désigne en phonétique un phonème qui s'accompagne de vibrations des cordes vocales. Kawaï, qui s'écrit itréma à la fin ou bien deux i, c'est un nom masculin et un adjectif qui désigne l'esthétique japonaise qui évoque l'enfance. Et Deb, c'est un nom féminin familier pour désigner une jeune fille de la haute société qui fait ses débuts dans le monde. C'est vraisemblablement l'abréviation de débutante. Giraumon, avec ou sans T, c'est une courge. Le granum en biologie, c'est une structure cellulaire végétale. Yaka, bah c'est une personne qui répète Yaka. Voilà. Il n'y a pas faucon dans le. Enfin, si, il y a faucon dans l'officiel du Scrum, mais ce n'est pas la même définition que la suite du Yaka faucon. Yuko, au judo, c'est un avantage. Elfique, adjectif relatif aux elfes. Éolique, de l'éolie en Asie mineure. Oléique, adjectif, un acide oléique, c'est un acide organique des huiles et des graisses. Vélique, relatif au voile d'un bateau. Mélique désigne une poésie lyrique et chorale. C'est un adjectif aussi.
Borane composé de bore et d'hydrogène, nom masculin. Et puis voilà, on est revenu à notre petit moutard. Voilà, donc on a terminé les définitions. On va maintenant passer aux potentialités des tirages. Donc je change d'affichage. Et nous y voilà. Donc j'insisterai, l'affichage est exhaustif, mais à l'oral, j'insisterai que sur les mots qu'on n'a pas vus déjà pendant la partie ou pendant le premier temps du décodage. Donc au premier coup, voilà, donc j'avais évoqué un moutarda, moutarde, moutard avec un S et moudré aïté. Le coup d'après, le tirage suivant. Qu'est-ce qu'on n'avait pas vu? Jacteuse, jugeate, jeunate. Et ajusté EES, forcément. Non, je ne vais pas mettre les 9 lettres ici. Alors là. Senelle, au pluriel. Hélène, Nielé, Encellé, ES, bien sûr. Et venelle. Beaucoup de solutions quand même avec ce tirage malgré tout. Je mets pas les 9 lettres, il y en aura trop. Alors le tirage d'après, pouffé, pouffera, on les a vus. Et en 9 lettres, à part les conjugaisons de pouffé, rien. Alors voilà. On a pas, ne passait pas meringa et géranium. Donc là, vous avez un joli quatuor à retenir. Quatre solutions. Anagramme de géranium. Et puis giromon. Et en 9 lettres, on va regarder. Il y a peut-être des trucs sympas là. Marginaux, maugrabin et maugrébin. C'est la même chose que maghrébin en fait. Embringa, évidemment embringué. Germanium, germino, margoulin, giromon avec un T. Voilà pour les 9 lettres. Alors ici, rien en 7, rien en 8 et rien en 9. Ici, saigner du verbe cindre, donc sur un Z. Je ne l'avais pas vu celui-là. Et en 9 lettres, diligence, indigence, cinégénie, gentilice, et puis les conjugaisons de cindre, encindre, négocier, génitrice. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on n'avait pas vu là? Trucidade, huitera, torridé, traduise, duratif, stridula, nuitard, sourdet, disparu. Ça, c'est un magnifique tirage traduit plus C3E, FLNOPT. Ouais, c'est un très très joli tirage qui mériterait d'être retenu. Bon, je zappe les 9 lettres parce que là, avec RAITS dans le tirage, il doit y avoir un milliard, au moins un milliard de solutions conjuguées. Donc, on passe au coup suivant. Alors, qu'est-ce qu'on n'avait pas vu? Cliquer, fliquer, équille, esquille, quiller. Quel. Non, c'est quoi ça? Ah non, 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 on l'a vu. Et le reste, on l'avait vu. Alors là, il n'y a rien en 7, rien en 8 et en 9. Alors, des conjugaisons de bâcheron, brochante, bancroche, bronchera, charbonne, embroncha, orobanche, honorable. Alors là, rien en 7, rien en 8 et en 9, on a coudois, déjouillon, monodique, dénouillon, douerion,
sous-doigt, oui, forcément. Dévouillon. Voilà, c'est tout. Alors là, malawien, malawite, on en a parlé. Bon, c'était pas des... ça passait pas en scrabe, mais on en a parlé. Et puis au pluriel, en 9 lettres, rien de plus. Le tirage d'après, émouvra et ouvram, en appui sur un U. Je pensais qu'il y aurait plus de solutions avec ce tirage-là. Et en 9 lettres, alors beaucoup de âme, bovarisme, grouvam et mangrove. Voilà. Le tirage d'après, bon, peu probable, rien en 7, rien en 8, rien en 9. Ici, ou scotchier et... C'est quoi ça? Schmolitz? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Faire Schmolitz, c'est passer au tutoiement en buvant un verre. C'est absolument magnifique comme définition. J'avais peur de mal lire, je voyais Schmutz. Mais non, Schmolitz. C'est chez nos amis suisses. C'est magnifique. Schmolitz, passer au tutoiement en buvant un verre. C'est magnifique. Est-ce que ça aurait pu passer? Oui, sur ML, espacé. C'était possible. Bon, eh ben écoutez, je crois qu'on va rester là-dessus, puisqu'après, il y a plus de tirage. Ah si, il y a celui-là. Alors, Olivier, Violet, Vitole, ça ne passait pas. En fait, il n'y a rien qui passait, puisqu'on ne scrablait pas sur ce coup. Violate, Violeta, Voilate, Voleté, Violeté, ES, Voltige, Violiste. Léviton, ventilo, violent, vertisol et virolet. Tout. Joli tirage encore. Et puis voilà, là, on n'est plus sur un tirage plein pour le dernier coup. Donc voilà, on a terminé. Bon, bah, écoutez, merci d'avoir suivi cette partie et son décodage. J'espère que vous avez appris deux, trois bricoles, que vous avez passé un bon petit moment. Et puis alors surtout, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et parlez de la chaîne autour de vous, qui est un maximum de joueurs de dupliquettes et de joueuses de dupliquettes qui nous rejoignent, qui viennent régulièrement ici se mesurer au logiciel et au dictionnaire. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.